Bonjour, bonjour, bonjour les amis, c'est encore votre humble serviteur, le papa, le sergent, sous-officier, le gars qui ne porte pas de galon à cause de sa bouche. Où est passé Banga Diaspora? Où est passé notre célèbre papa Banga Diaspora? Papa Diaspora, où es-tu? J'avais fait une vidéo pour demander aux internautes de déposer la question à Banga Diaspora, ce qu'il travaille dans la vie, ce qu'il fait dans la vie. Vous n'avez pas posé la question, non? Vous voulez venir écouter dans ma bouche. Vous voulez venir écouter dans ma bouche. De toute façon, Banga Diaspora, Banga Diaspora, où es-tu? J'ai toujours dit que dans la vie, il si, y a des métiers que ce ne sont pas des sciences exactes. Il y a des métiers, tous ceux qui disent que oh, je suis homme d'affaires, je suis businessman, ça ce ne sont pas des sciences exactes. Ça, ce ne sont pas des métiers sur quoi on peut compter. Notre grand frère, notre tonton chéri, Banga Diaspora, le gars qui a fait preuve de générosité, le gars qui a sorti la machine à fabriquer la canne à sucre, le gars qui investit au pays, le gars qui est un homme d'affaires, un parti économique au pays, où est-il passé? Ça fait déjà quelques mois, on ne le retrouve plus sur la toile. Et personne ne se pose la question. Quand on dit que les Camerounais, c'est des hypocrites, vous les Africains, vous êtes des gros hypocrites. Parce que il est absent depuis, vous ne vous posez, il est passé où le grand frère? Personne vous laisse sa chance. Alors que vous êtes ses fans, vous êtes les premiers, vous êtes abonnés sur sa page. Tous les matins, il faisait les directs 10 fois par jour. Vous le suivez, vous l'encouragez. Non, c'est bon. Banga Diaspora, il est ressorti, il est dehors. Où est passé Banga Diaspora? Vous voulez prendre ma bouche? Mon ami, vous n'allez pas prendre ma bouche, hein? Je veux voir mes enfants grandir. Quand on vous dit, les jeunes, de travailler, les affaires, ce n'est pas une science exacte. C'est un grand frère. Et grand frère, quand vous avez déjà eu l'argent à un certain moment donné là, restez au pays, laissez les jeunes se battre, ne sortez plus dehors. Tu as encore porté le parangu, tu peux faire quoi dehors, grand frère? Quand j'ai vu repartir en Indonésie, je me suis posé des questions. L'argent mal acquis, on ne peut rien faire avec. L'argent que tu as gagné mal, tu ne peux rien faire avec. C'est bien vrai d'aller chercher dehors et revenir au pays investi. Mais sachez que les gens chez qui vous prenez dehors souffrent, pleurent, crient. Et les larmes qui coulent ne peuvent pas vous faire avancer. Les pleurs qui coulent, la souffrance, sans compter ceux qui se suicident, sans compter ceux qui mettent fin à leur vie, ne peuvent pas vous faire avancer ce que vous allez faire. Grand frère, tu as une belle maison avec piscine, belle voiture, tu as créé l'entreprise. Tu partais encore faire quoi dehors? Voilà ça que Paul Biya risque de perdre le pouvoir, toi tu ne devrais pas connaître. On peut même te nommer ministre de quelque chose, tu ne serais pas là pour que ton nom soit sur la liste. Hé, grand frère! Le tout, c'est quand tu rentres au pays, ne sort plus. Taurigny et son fan, il comprend en temps. Mais seulement, il veut la visibilité de sa star en utilisant la mauvaise manière, en étant aigri et jaloux. Bon, je te donne un peu de visibilité aujourd'hui. Mais je ne reçois pas les gens comme toi. Tu vois un peu. Parce que tu es ingrat. L'ingratitude, c'est d'avoir emprunté un chemin qui nous a aidés à arriver. Et que par la suite, on dénigre cela. Tu as emprunté une route que nous, il y a de cela 25 ans, que nous avons pris cette route-là. On a rencontré des hommes, des grands frères qui nous ont aidés, des femmes qui nous ont aidés. Mais aujourd'hui, regarde comment tu dénigres ceux du Maroc. Comme ça, un big up à tout le Maghreb. Mais à titre de rappel, là où tu crois te cacher là, c'est là où les autres dorment. Tu vois un peu dans Périca. Tu es une dame. On va traiter ton fuck up. Tu vois un peu. Voilà. Tu es ingrat. Au lieu de dire note sur ma vie, pose les questions chez ton mentor Franco qui t'envoie en sous-marin. Parce que j'ai vu à la fin de ta vidéo, tu as mis sa pub. Il t'envoie. Et dis donc, même lui-même n'a pas le niveau. Ce n'est pas son fils qui aura le niveau. Tu vois un peu. Dites note, pose-lui les questions que comment un jeune à son âge, à 4 mounas, et les quatre, la tête jette l'air. Comment? Vous êtes nombreux là en train de jouer aux anges, alors que vous êtes des gens qui avaient déjà signé le pacte avec le monde. Hein? Avec le monde. C'est compliqué, hein? C'est le jour que ton patron va te prendre main dans le sac. Qu'on va témoigner que, hey, donc ce que le type là faisait, c'était la distraction. Mais Bengo travaillait, il était ministre, il en connaît. Peter Mafani Moussenge, ils travaillent, ils sont en prison. Les Polikababa, ils sont nombreux en prison, alors qu'ils étaient ministres, petit frère. Je suis dehors pour me chercher. Intéresse-toi au vrai combat, on va te connaître comme tel. Tu vois un peu,
Tu vois un peu? Pose la question où Brenda, où Flambia prend son argent pour vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais non, les vrais combats, petit. Tu vois un peu? Ma page Banga Diaspora a eu un souci et puis voilà. Le temps de remédier à la situation. Donc, abonnez-vous sur cette page Diaspora Camp Debout. Voilà. Afin que nous continuions à mener le combat comme d'habitude. Voilà, mon cher frère. Donc, moi là, je suis dehors pour me chercher. Et on n'a pas les mêmes problèmes, petit. J'ai des grands enfants. Tu vois un peu? On n'a pas les mêmes besoins. J'ai investi au Cameroun, mais est-ce que tu es sûr que ça suffit à gérer mes factures? Tu vois un peu? Et pour entretenir une maison qui a grosse voiture, piscine, il faut beaucoup d'argent. Tu parles, tu comprends? Même là où tu vis là, ce n'est pas tout le monde qui a une maison avec piscine. Tu vois un peu? Donc c'est pour dire que au lieu de t'intéresser à ma vie, occupe-toi mieux des choses du Cameroun. Parle de Boléré, Areva, qui sont là à piller l'Afrique. Tu vois un peu? Je suis dehors pour Fanam et envoyé en Afrique. Je ne sais pas si toi tu fais de même. Si tu le fais, c'est bien. Mais concentre-toi sur les vrais problèmes du Cameroun. Hmm? C'est ça, on dit un ingrat. L'ingrat, c'est celui-là que quand il part devant, les seules personnes qui cherchent à dénigrer, à piétiner, à finga, c'est ceux-là qui ont souffert comme lui. Jaloux, incapable qu'il est, il fait semblant d'être un homme honnête. Alors qu'au fond, c'est un bon toiteur. Mais à cause de son mauvais cœur, Dieu ne l'a pas encore put en une bonne position pour qu'il soit le jackpot. À cause de son mauvais cœur, subitement, il devient aigri et jaloux. Et ton mauvais cœur, à la position à Perica, tu ne peux pas réussir. Vrai, vrai, vrai. Allons doucement. Même avec la langue que tu travailles là, tu ne feras rien de ça. Parce que tu n'as pas un bon fond. Dieu ne bénit pas seulement ce que nous gagnons. Il bénit aussi notre intérieur. Afin que ce que nous gagnons puisse être utile dans nos actes. Ce n'est pas moi qui t'ai mis dans ta situation. Si tu es misérable, si ta vie ne va pas bien, ce n'est pas Banga Diaspora. Tu vois, c'est Paul Biya. Tu vois un peu. Et au moins, j'ai le courage de dénoncer. Ton courage que tu as là, à parler de la vie de Banga, mais occupe-toi de Paul Biya. J'ai géré la fortune publique. Hein, mon frère? Donc, Perica, mets les vrais combats, tu seras reconnu. Ok? Comme Banga Diaspora. Si on reconnaît Banga Diaspora, si tu parles de moi, c'est parce que il a mené les vrais combats. Pour tous ceux qui souffrent le problème de la goutte, c'est-à-dire l'acide urique, je vous conseille ce produit naturel. On a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Si tu souffres de problèmes de mal des os, d'articulation, voilà, je te conseille ce calcium naturel. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, je te conseille Supermadic. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Italie et Cameroun. Pour tous ceux qui veulent perdre de 1 à 10 kilos, prendre ces gélules Lilicilline, 3 boîtes et un thé. On a le stock aux États-Unis, en France, Italie et Cameroun. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, je vous conseille le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, Cameroun, États-Unis. Si tu souffres de problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà, je te conseille ce produit. On a le stock en France et au Cameroun. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, Supermadic, c'est un tissu humide que tu embases sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes et tu déballes, tu nettoies avec de l'eau et du savon avant de passer à l'acte. Voilà, Supermadic, c'est un best-seller. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Si tu souffres de diabète, je te conseille ce thé naturel. C'est de l'insuline en thé.